Et salut à tous, c'est Jules, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Ori and the Will of the Wisps. Et... Voilà. Donc si je regarde, moi ce que je vais essayer d'explorer, parce que ceci on peut pas le faire et ceci on peut pas encore le faire, donc ce que je vais essayer d'explorer c'est ces deux là. Hop. Hop. Ici, si on regarde, ouais. Ouch. Alors si on regarde, par là j'ai déjà été. Ah mais voilà, c'est ça. Non. Tac. Voilà. C'est bien. Ouais, c'est même pas encore celui-là. Oh, ça ouvre la porte. Bien. Donc c'était tout ici. Bien. Ok, compris. Ok, c'est pas pour moi, mais ce sera aussi timé. Ouais. Ok, très bien. Apparemment, là-haut, on a déjà été. De toute façon, là il y a un point de sauvegarde. On va commencer par ici. Pour sauvegarder. Voilà. Et avant d'aller explorer l'intérieur, j'ai quand même envie. On m'a dit que t'avais vu des fantômes. Il y en a plein d'autres comme ceux-là ailleurs. Si j'étais assez rapide, je ferais la course avec eux. Donc, ouais, ok, ça on l'avait... Off. Ouh, ça fait mal. Ouh.
Allez. Ouais, je pense que je me souviens qu'on a déjà fait ça. Ouais, ok. Très bien. Bah, il fallait le faire pour le savoir. Hein. Hop, je vais me régénérer encore un peu. Tac. Et là, on peut continuer l'exploration. Hop. Et j'ai l'impression qu'on se dirige de plus en plus vers la zone que l'on doit atteindre. Ouah ! Je l'ai eu. Sacré bête. Mais ça va, celui-là était plus simple que le loup. Oh, des petits moquis. Ok. Non. Classique. C'est un truc qu'on peut pas encore faire. Très bien. Et là, tout près, il va y avoir un arbre. Allez, presque. Ici. Merci. Bien, mais c'est, apparemment c'est pas là que je dois aller. Hop, on s'éloigne, on s'éloigne. Ok. Et voilà. L'arbre qui va nous permettre d'utiliser des objets pour sauter.
LB. LB, donc celui-là. Ok. Hop. Très bien. Ici, là on peut pas aller. Hop. Ok, ça ouvre la statue. Alors, où dois-je aller? On peut aller en bas. Mais il valait mieux aller en haut. Un point de vie de plus. Ici. Je l'ai vu. Ah, il y a quand même des choses à faire, mais je pense pas qu'on pourra les faire tout de suite. Il faudra attendre qu'on ravive la zone. Parce qu'il y a des trucs, à mon avis, une fois qu'on aura débloqué la zone, qui vont soit tomber, soit pousser. Et j'ai l'impression que la partie centrale va bouger aussi. Ok. Hop. Ouais, ça m'intéresse moins. Toujours Y par habitude, parce que dans le premier Ori c'était Y. Là il doit y avoir quelque chose pour descendre. On n'a rien vu sur le côté. Peut-être que c'est pas ici qu'on doit aller. Hein. Ah! Je dirais que, vu qu'on peut pas descendre ici, ce qu'il faut faire c'est remonter et essayer d'aller explorer là. Hop. C'est ça, hein. Ouais. Donc là, il faut...
ici. C'est aller ici. Mais là on peut pas donc. Ah. Voilà. Donc ce coin-ci exploré, c'est ça. Hop. Trouvé la caisse. Bois du silence, on a combien? On a 17 minutes. On arrive enfin à l'endroit qu'on doit découvrir. C'est le gardien du marais, on y est ? Jacuzzi ! Waouh ! Ça lag. Je suis désolé, mais ça lag pour moi aussi. Trop ambitieux comme animation. Ah. Un esprit dans mon marais. Les maquis avaient donc raison. Je voulais y croire. Mais cela fait si longtemps. Je suis Quoloc. Et tu es le bienvenu dans mon marais, petit esprit. Les Moki m'ont dit que tu cherchais ton ami, une petite chouette. Elle est tombée loin d'ici, à l'est. Elle est prisonnière du bois du silence. Là où les hiboux ont disparu. Oh, c'est un cimetière de hiboux. Ouf. Le cours d'eau derrière moi est mené avant. Mais l'eau est désormais croupie et infranchissable. Il existe une solution cependant. Un grand moulin est à l'arrêt dans la source à l'ouest d'ici. Si tu le remettais en marche, les eaux retrouveraient leur vivacité et leur clarté. Je t'accompagnerai volontiers, mais les Moki ont besoin de moi. Je peux te donner quelque chose en revanche.
Un fragment de lumière ancienne qui illuminait autrefois cette terre. Que sa voix te guide à travers cette terre dangereuse. Je suis la voix de la forêt. Voilà bien longtemps que je n'avais pas vu l'un des tiens. Et bien longtemps que je n'avais pas quitté le marais. Mais je ferai de mon mieux. La source a besoin de notre aide. Oui, va à la source. Et aide l'eau à reprendre son cours. Ah oui, ok. Plus de santé, plus d'énergie. Donc ici. Ah ok, ici, nouvelle quête, ok, oui. Là, on peut pas aller tant que ça n'aura pas redémarré. Et je pense qu'en dessous, on pourra pas y aller tant que ça n'aura pas redémarré aussi. Donc tout ce qu'on peut faire ici... c'est un TP, est-ce que je peux me TP le plus par là possible? Non, je vais y aller à pied du coup. Donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est tac. Et pour aller là-haut, je me demande si c'est pas au-dessus qu'on doit passer. Maintenant qu'on peut passer, qu'on pourra, je pense que c'est ça, on pourra sauter au-dessus la zone qui n'a pas encore été éclairée. Ah, non, c'est pas ici en dessous. Si je regarde... Ah. Super. Bien, alors moi ce que je veux d'abord c'est... Là, c'est fait, très bien. Ok, bonjour petit Moki. Tu n'es pas un Moki, ça se voit. Tes oreilles sont... tombe trop. Je vois plein de choses, comme cette carte que j'ai trouvée. J'aimerais bien un Lupo le cartographe, mais il en a assez. Je devrais aller voir celui qui a des plumes. Je veux dire qu'il adorait les cartes avant. Celle-ci lui paiera peut-être. Tu veux bien lui donner? Je l'ai vu dans la clairière des sources. Ok, donc faudra donner la carte. Dessin. De main en main, si on regarde de main en main... Ok, donc la clairière des sources est dans cette zone et si on rencontre quelqu'un, on parlera à toutes les personnes qu'on a...
Non, mais c'est comme ça que je vais faire. Non. Oh. Minerai, oui, oui, c'est très bien. Bien. Ah. Allez. Hey, qui a démoli mon mur? Ah, est-ce que ce sera pas le... Viens par ici. Laisse-moi te regarder de plus près. Ok, donc là on a probablement le celui à qui on doit remettre la carte qui est là en dessous. Ok, là y a personne. Et là, il y a un point de sauvegarde. On a 27 minutes. Donc, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Sinon, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires. Je les lirai et répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries qui sont sur la chaîne. Sur ce, on se laisse. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.